Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, c'est avec joie que nous nous retrouvons dans ce lieu d'apparition. Nous qui venons de Lourdes en France, nous connaissons et nous vénérons tous ces lieux où Marie nous montre l'amour du ciel. Souvent, quand on parle de Lourdes, on dit « ciel Lourdes », le ciel s'est ouvert sur la terre. On peut en dire de même ici, à Fatima. Ici, à Fatima, le ciel s'est ouvert et le ciel nous a donné une seconde mère. Mais justement, parce que trop souvent, nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu, trop souvent pas dignes de l'amour de sa mère. Tournons-nous vers cette Caplénia, là où la Vierge est apparue, et demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant la prêtre que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ésaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit devant nos nations. Il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Il ne criera pas. Il n'osera pas. Il n'osera pas le ton. On l'entendra par sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il fera paraître le jugement en toute fidélité. Il ne lui faiblira pas, il ne sera pas écrasé. Jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instructions. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie. Il dépose la terre avec génération. Il donne la vie au peuple qui l'habite. Il ne souffle à ce qu'il parcourt. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai pris par la main. Je t'ai mis à part. J'ai fait de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de la prison et de leur cachot, ce qu'habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière.
méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut au Christ, notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était avec Jésus, parmi les convives. Or, Marie avait pris une livre de parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie par l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ? Il parla ainsi non parce qu'il se préoccupait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui ce qu'on lui mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la. Il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne mourrez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et un signe de plus. En échangeant avant-hier soir avec Laetitia, nous avons observé combien les signes sont nombreux dans l'Évangile, et tout particulièrement dans saint Jean. Saint Jean ne parle jamais de miracles, mais de signes. Un signe qui attire l'attention, avec une partie visible et une partie invisible, plus profonde. Un signe qui permet à tout homme de réaliser une partie, souvent la partie visible, laissant à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le soin d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur. Souvenez-vous, dans la foule de plus de 5000 hommes, et là, en attente, cette foule éprouve la faim et Jésus ne va pas la renvoyer comme le lui demandaient les apôtres. Mais dit Jésus, non,
donnez-leur vous-même à manger. » Et Jésus a demandé de chercher une solution déjà parmi les hommes qui sont là. Ils trouvent 5 pains et 3 poissons. C'est quoi cela pour une telle foule? Mais les 5 pains des hommes et les mains de Jésus vont réaliser un signe, non pas la multiplication des pains, mais le signe du partage entre tous, pour que chacun ait de quoi manger. Le signe que nous vivrons dans quelques jours, au Jeudi Saint, est un autre signe, le signe du service quand on se met à genoux, aux pieds, pour laver les pieds. Le signe que Jésus est maître, mais aussi serviteur, et dit-il, si je vous lave les pieds, c'est un signe pour que vous aussi, vous fassiez comme moi, entre vous. Le signe suprême sera celui de ce jeudi soir, ce pain qui devient corps du Christ et de ce vin qui devient sang du Christ. Ce Jésus qui continue cette parole, faites ceci, vous ferez ceci en mémoire de moi. Et nous le ferons tout à l'heure dans cette Eucharistie. Et aujourd'hui, 6 jours avant la Pâque, le signe de Marie, versant un parfum très très cher, par anticipation, sur le corps de Jésus. Cette Marie, amoureuse de Jésus, pressant la fin imminente de Jésus. N'est-il pas entré à Jérusalem, au grand scandale des puissants, des grands prêtres, acclamé comme un roi, que nous avons célébré hier, et alors que les apôtres voulaient l'empêcher de rentrer sur Jérusalem, Marie baigne les pieds de Jésus d'un parfum de grande valeur, raconte Jean, parce que quand on aime, on ne compte pas. Il y a bien Judas, l'un des 12, qui n'accepte pas ce geste, ce signe. 300 pièces d'argent, dit-il, on aurait pu le donner pour les pauvres. Et lui, Judas, il va accepter de livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. Un signe, des signes, il y en a tout le temps. Ce matin encore, je passais devant une table, un clin d'œil de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Un petit coup de coude pour dire quelque chose, tous ces signes. Mais il faut d'abord apprendre, d'abord à les regarder, et puis à les lire, et apprendre à les interpréter, à les comprendre. Et pour cela, je crois que c'est bien de le faire à plusieurs. On l'a encore dit hier soir avec les enfants, avec les jeunes, des signes, des pleurs. Qu'est-ce qu'il cache derrière ce signe du pleur? Des larmes? Il faut les lire, il faut savoir écouter, il faut savoir ensuite relire ces signes. Et puis, bien sûr, il faut surtout y croire, les croire. Sinon, le signe, il ne sert à rien. Jésus l'aura dit plusieurs fois dans les messes de cette semaine aux pharisiens, aux adversaires. Des signes, je les fais tout le temps. Vous n'y croyez pas. À quoi ça sert? Des signes, les lire, les interpréter, y croire. Je demandais à Maria de redire un peu, pour ceux qui sont de langue portugaise, pas tout ce que j'ai dit, mais 5 lignes uniquement, 6 lignes. Marie, 6 jours avant. J'ai dit que c'est pour les Portugais, un petit résumé. Dit que c'est pour les Portugais, petit résumé. Pour nos irmãos portugueses, só unicamente algumas palavras da homilia que foi feita agora pelo Senhor Padre. Marie, 6 jours avant Pâques. Maria, 6 dias antes da Páscoa. Va accomplir des signes. Voilà.
vai anunciar alguns sinais. Le signe du parfum sur le corps de Jésus. O sinal do perfume sobre Jesus. Avant sa mort. Antes da sua morte. Jésus va accomplir beaucoup de signes. O Senhor vai anunciar mais do que um sinal. Et tout à l'heure, le signe du pain. E logo, nesta missa, o sinal do pão. Devenu corps du Christ. Que veio o corpo de Cristo. Un signe, il faut le lire. Um sinal é preciso ler. Le comprendre. Compreendê-lo. Y croire. E acreditar. Sim. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions. Accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons pour réparer les dommages de nos fautes. Tu as voulu ce sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous les fruits qui demeurent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux, qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit,
pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice, il nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, l'évêque d'ici, Antonio, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous les défunts de nos familles, la sœur de Maria, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde, l'homme qui connaît la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, frères et sœurs, sûrs d'être aimés de Dieu, sûrs d'être enfants de Dieu, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, Ecce Agnus Dei. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis guéri. Mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ ici présent gardent nos âmes pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Ne me cache pas ton visage, le jour où la détresse me prend. Le jour où j'appelle, écoute-moi, n'attends pas pour me répondre. Prions encore le Seigneur. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Page 4, Ave Maria. Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle au pastoureau. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. C'est la Vierge Mère qui, pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler. Ave, yeah.